Bonjour et bienvenue sur Dark Otaku Gaming pour la suite des Gardiens de la Galaxie. Peut-être même la fin des Gardiens de la Galaxie, je ne sais pas encore. Ça avait un petit goût de fin quand même, ce dernier niveau, ce niveau. Parce que tout ce qu'on a accompli jusqu'à présent a l'air d'aboutir à ça. Donc. Je s'appelle Exactement. Content que t'aies récupéré ton lecteur, Quill. Oui, j'ai mon lecteur. Qui l'a balancé dans l'espace. Eh, ça a marché, non? Bon, bah tout va bien. Je suis blessé psychologiquement. On venait de défoncer, je sais plus combien de... Tranche-moi ça, bon, Gamora. Je m'en occupe. Avec joie. D'ennemis ici, et on allait descendre. On retourne dans un trou, eh ben c'est super, voilà. Tu aimes les trous. Robot géant. Je déteste ces trucs. Fais-moi faire ce que tu as fait. On dirait que Foum nous a déjà pardonné. Il va se faire dorloter sur cette carte si jamais on gagne. Occupe-les, gros. C'est moi, on arrive à peine à les rafler. On coupe. Attention. Ce truc, Drax. Leur contrôle est prêt. Laissons-le leur charmer. Je dois me souffler un peu, Groot. Quand les Gelbenders t'a rendu ton appareil. Oh ça, Drax. À quel parler de moi? J'ai pas trop entendu la cause des ombres dans l'espace. Géant, comment ça m'énerver? Il est aussi vénérable qu'imposant. Nous devons le briser. Ah bon, j'ai pu jouer. Non. Oui, Groot. Je vais t'achever. Putain, mais en plus c'est même pas le robot qui m'achève. C'est des connards. Écrase l'ennemi, Drax. Ficelle-moi tout ça, Groot. J'essaie de nous ralentir. Il faut qu'on retourne dehors. Notre tuerie devrait être efficace. Prends-toi ça dans la mouille. C'est un vrai long bien mérité. Je ne ferme pas là-dedans. Drax, passons votre massacre, ça vient du film. Et maintenant, Peter Quill. Voilà. C'est quoi ce bruit? Je crois qu'il y a des gens à l'intérieur de ces trucs. On a vu des trucs plus bizarres. Dans tous les cas, il faut... Allez, venez, on doit remonter trouver Warlock. Allez, hop. Laissez-moi faire. Ah bah, il le fait tout seul. Si nous survivons, nous devrions inviter Lady Elbender à rejoindre l'équipe. Il n'y a pas de place pour elle dans le vaisseau, elle fait au moins 3 quills de haut. Un quill et demi. Et encore. Son armure doit peser au moins 6 quills. Vous savez quoi? Et si on votait? Qui veut inviter Lady juste au corps? Non. Oui. Non. Je suis sûr qu'elle veut encore me tuer, alors je vais dire non. Pour sa défense, c'est le cas de beaucoup de personnes. C'est pas faux. Gros de votre nom aussi. Les votes ont décidé. Ma proposition a été rejetée. Pauvre Drax, on mettra pas sa waifu dans l'équipage. Moi je vote pour que Mantis rejoigne. Bien joué, les Gelbenders. Alors ça, c'était une surprise. La chance nous sourit. Nous ne serons pas aspirés dans le néant. Sauf si Racker désactive la gravité artificielle. Espérons qu'il soit trop occupé avec le rituel pour penser à ça. On est sûr que Warlock est à l'autre bout du vaisseau? Ouais. Tant qu'on continue d'avancer tout droit, on est bon. Nous abandonnons un putain, mais Groot, c'est super. Nous ne mourrons pas ici. Mais si c'est le cas, nous irons dans l'Ultas. Une correction. J'irai dans l'Ultas. Et vous, vous irez dans les paradis païens auxquels vous croyez. Mais je demanderai s'il y a de la place pour vous dans le mien. Ah bah c'est gentil, ça.
C'est gentil de penser aux autres, mon petit Drax. Comment on fait les diages pour que ces monstres attaquent les bonnes cibles? C'est incroyable, ça! C'est la reine des monstres. Ils sont forcés de l'obéir. Traduction, elle les nourrit. Ouh! Allez. Enlevons cette tenue de merde. On a assez joué. Voilà. Ça, c'est tout de suite un tout petit peu plus classe. Désolé pour Gamora, on n'a pas trouvé cette tenue. J'aime pas l'idée qu'on les utilise comme des armes. Et je m'y connais sur le sujet. Ils se battent pour leur rêve. Ça n'excuse rien. Allez, on touche enfin au but. Vlati pas notre Luciole nationale, là? Je pensais que c'était Adam Warlock qui était attaché au milieu de tout ça là. Ok. Cosmo, c'est toi qui es là-dedans. Спасибо, Гардиан де Галаксии, d'avoir aidé Cosmo pour éliminer Promesse. Il ne court plus après le serpent qui est bout de bois. Et regardez, Cosmo vous rapporte Nowhere. Ouais, on a remarqué. Et famille. Dites privet, mes petits. Ah, c'est bon de te retrouver, mon grand. Ah, Cosmo a point commun avec les vilaines puces. On pense être débarrassé jusqu'à ce qu'il vous croque dans la couenne. Ouah. Un bon chien. Niet. Cosmo est meilleur des chiens. Maintenant, on écrabouille vilaine puce comme elle le mérite. Attaque! Putain. Cosmo se balade avec une tête de titan sur le terrain. Je suppose que si on n'avait pas aidé Cosmo... Je savais pas que Nowhere pouvait balancer des rayons de la mort. C'est trop cool! Et le cabot a la patte sur le gros bouton rouge. Je vais devoir être plus sympa avec lui. Tout ce on qu'il devrait y a. Rester en mouvement. Nous sommes en mouvement. Bon, bah alors on devrait accélérer. Ok. Une fois à l'intérieur du rocher, on risque de se retrouver nez à nez avec le grand unificateur. Et on va lui briser le nez. J'ai qu'un seul de ses bras. J'ai hâte de compléter ma collection. C'est pas qu'il nous a collé une raclée la première fois qu'on l'a affronté. C'était quoi ça? Poussez-vous, poussez-vous! Là! Écrapoutier! Non, pas cette fois! Faites attention dans la descente! Attends! Quoi? Ma tête! Un flaque! Ah bah c'est super, on brille! Éclaire-nous! Oh! Regardez-vous! Une minute, il vient de crapahuter dans l'espace! Oh la vache! Planquez vos extrémités! Toutes. J'adore quand un jeu est sur la même longueur d'onde que moi. Évidemment, tu t'éclates. Attention aux débris. Merci de me le dire. Que mon pantalon frappe pas. Les pantalons restent pour les nages. T'as intérêt à mener quelque part. Passe pas par-dessus bord, passe pas par-dessus bord. Admirez cette vitesse. Putain, ma vie. On est vivant. Oui, bien vivant. Ouh, le signal du mouchard est vachement plus puissant ici. On approche. On est là pour Adam Warlock. Apportez-le nous et on vous laissera partir. N'écoute pas. Ah.
L'ennemi ne retient pas ses coups. Ils voudront pas se voir, papa monstre. On voudra ça, beau gosse. Demande la vie, bande de jettes manipulés. Ça craint. Ils sont à fond dans la promesse. Un illuminé en moins. C'est ça qu'on appelle une expérience spirituelle. À croire que ces tunnels étaient remplis de mineurs au lieu d'adeptes. Ils devraient abandonner leur faux dieu et retourner au travail. Tenez-vous prêts. Fumez, Rocket. Ils combattent avec une vigueur renouvelée. Ligote-moi ça, mon bon œil. L'ennemi pourrait se planquer n'importe où. Je les laisserai pas passer. Vous ne passerez pas. C'est notre dernière chance d'éliminer le Magus. On tente le tout pour le tout. Le Magus regrettera son incursion. Mickey est vraiment quelque part dans ce trou? La gamine, je sais pas, mais Warlock, oui. Quand Noir trouvera Warlock, il nous ramènera à la gamine. Comment on peut savoir d'autres que l'accomplissement n'a pas commencé? Vas-tu aussi essayer de leur faire entendre raison? Ça marchera pas. Butez-les! Il est pour moi, celui-là! On va quand même éliminer la moitié Peter du cosmos. Quill, lâche-moi sur ces imbéciles! Fais-le toi-même, dis. Et voilà. Continuons. La source du signal est bien plus loin dans les mines. Je croyais qu'on se rapprochait du signal. Je me dis pas qu'en fait depuis tout à l'heure on se rapproche, mais genre la cible est à 10 km. Quand je pense que l'église est partie d'un groupe de mineurs, ils auraient dû se contenter de creuser. Est-ce que vous croyez que si jamais j'avais pas réussi à convaincre l'autre con, papa monstre. Rocket, déchète-toi. Faites gaffe. Ça ressemble de moins en moins à une prison de Warlock. Fais confiance au mouchard fessier de Warlock. Mouchard fessier. Et où serait le plus vite soit encore exploité. Pareil qu'ils utilisent ces métaux précieux pour leur technologie de soie. Ils font bien produire les pyjamas dorés du grand unificateur. J'ai l'impression que ça fait des heures que je tire sur ce robot. Mais on vient d'arriver, Nick. Nous devons le briser. Combien de fois je t'ai sauvé les steaks? Merci, vieux. Seulement, on pouvait emporter un peu de ce minerai. Personne ne pourra t'échanger cette cochonnerie quand les lignes aura disparu, c'est trop risqué. Sa carapace métallique. J'ai pas appuyé sur l'autre, j'ai appuyé que sur LB. Bon bah tant pis, hein. Putain, j'adore comme t'arrives en quête avec tes lignes. On va bientôt gagner, mes amis. Sauf s'ils envoient des renforts. Si c'est le cas, il faudra être rapide comme l'éclair. Et les frapper par derrière. Et s'ils sont trop rapides, il nous faut un autre plan. Avec des si, on s'en sortira pas assez concentré. Tous les combats ont des hauts et des bas. Mais essayer de prédire où les coups vont tomber, ça fait qu'empirer les choses. On se calme.
On a tendance à trop réfléchir quand les choses se corsent. Mais si on se concentre... On peut frapper fort. Ouais! Qui est avec moi? Je suis avec toi, putain de... Allez les gars! Non. Cette fois-ci, c'est la fin! Y'a pas moyen qu'on se foire! C'est comme si le Magus était mort! Selon les règles d'acquisition dans l'espace, si l'ennemi attaque sans avoir été provoqué, t'es en droit de garder le butin! Ah, on les a clairement provoqués! Ils nous ont provoqués en premier! Plein de fois! Bah, j'adore allumer les illuminés! Gigotage, Groot! Méfiez-vous des ennemis embusqués. Pour attaquer Rocket par surprise, vous ferez tout. Miguel Bender risque pas de nous poignarder dans le dos. Je suis prêt. Mais... Tout l'honneur d'incarner. On a tué Foom quand même, hein. Nous serions... Oh, il est pas mort, mais... perdus sans la femme insecte. C'est la bosse du bon endroit au bon moment. Mais c'est surtout que... Comme tant que... quelque part dans ce trou... Comme Takemichibre... Je sais pas, mais Warlock, oui. Sortons Takemichibre. Ce robot géant. Comme Takemichibre... Il est aussi vénérable qu'imposant. Nous devons le briser. Bah, tout comme Takemichi, elle sait ce qui va se passer, donc évidemment que... Vous sentez une différence? Je suis presque... Évidemment que... Elle est toujours là au bon endroit au bon moment. Si on sort, on devra absolument revenir ici pour remplir la soute. Et vendre le minerai au marché noir? En récompense pour notre super boulot? Ça me paraît juste à moi. Ouais. C'est pour ça, vous voyez, que les Gardiens de la Galaxie sont meilleurs que les Avengers. Les Avengers ne penseraient jamais à ça. Enfin si, bon, ben, Tony... jamais... Tony dirait... ce minerai est très impressionnant. J'aimerais bien revenir une fois qu'on aura terminé pour récupérer un peu de tout. Et Rogers dirait... ce minerai appartient à ceux qui se sont fait posséder par ce type. Tu ne voudrais pas leur priver de leur truc. Peter Quill possède les armes magiques. Voilà. Armes magiques. Ceci est une inspection de sécurité. Présentez vos documents afin que nous les validions. Et voilà. Boum! Vous avez lamentablement raté l'inspection. Ils sont morts, Drax. Ah. Tu sais quoi faire, Quill? Ouais. Mais qu'est-ce qu'il fait, Quill? Bah, il fouille. C'est ça que m'a demandé, Croquette? Non, Croquette, Quill. T'es sûr que Warlock est par ici? Ouais, à moins qu'il ait jeté le mouchard. Il ferait pas ça s'il le trouvait. Il saurait qu'on vient le chercher. Ah bon, t'es sûr? On le connaît depuis à peine une heure. Ce vieil établi est un peu crade, mais j'ai fait certains de mes meilleurs boulots avec des outils crades. Allez, Rocket. Je sais pas si les établis sont toujours les mêmes partout. On va faire ça bien. Ce sera peut-être notre dernière occasion. Comment ça, dernière occasion? J'ai l'intention d'améliorer tout mon équipement, petite Croquette. Eh ben, tu peux pas, Quill, parce que j'ai dit... Alors, qu'est-ce que j'ai? Dénicheur de composants. Trouver des composants en fabrication à l'aide des signes audio et visuels, non. Vitesse de régénération des boucliers, ça par contre c'est essentiel. Voilà, c'est pour toi. Du coup, il me manque super coup de poing. Ce truc a bien plus de valeur que toi, Quill. Ok, cette fois je suis prêt à en finir. On est deux. Wow. Ah bah il est là, Adam. Avec son petit costume de super-héros, regardez comme il est mignon. Hé, regardez. Même ici, ils ont la chaîne Adam Warlock. Ouais. En parlant de boucle d'or, il devrait être juste derrière cette armée de robots tueurs géants. C'est pas vrai. Je crois qu'ils sont en train de pomper. C'est protégé par un bouclier de foi. Tu crois qu'on peut le débrancher comme sur Nowhere? Faut voir. Ça se tente. Par contre, je sens qu'on va se faire allumer par des robots. Allez en avant, les gars. Il faut surtout pas faire attendre le dieu doré. Ah,
a dû demander de la préparation. Attendris leur chair. Prépare-toi, démon. Ce vaisseau regorge d'horreur. J'aurais jamais cru que les Chidorim manqueraient. Je fais que l'effleurer. Cette machine ne peut prédire notre destin incroyable. Préparez-vous. Tiens bon, camarade. Warlock, s'il est bien derrière cette barrière magique, c'est là que nous devons porter notre attention. Oui, Warlock. Oh, il est très fort. Être ici. Vas-y, Groot, ta caméra, c'est là! Ça doit faire mal! Libère-la immédiatement! Tu auras à faire au détour! On perd du temps! Tac! On doit le frapper plus fort! Hé! Le brocoli a pas de problème! Tiens bon, mon grand! Putain, petit con! Hé, Twill! Je veux voir un peu leur petite! Y'a pas que son cerveau que j'ai... Ces âmes perdues ne savent pas quand s'arrêter. Il se réveille. On doit avancer. Et maintenant, Peter Quill. Ralentir. J'ai fumé un antilumineur. Si on trouve pas Racker rapidement, c'est fichu. Mon détecteur de Warlock s'affole. Pareil qu'il nous dira où est ce truc, Grax. On sort. Bim, bim, bim. Ceux qui n'ont pas reçu l'invitation, plus vont me plaindre. On a assez des robots de la mort. J'ai l'impression que ça fait des heures que je tire sur ce robot. Il vient d'arriver celui-là. Tu sentiras presque rien. On pousse un peu, gros. Quelles sont ces lumières qui obstruent ma vue? Mais. S'il te plaît, Groot. Mais j'en ai marre, putain. Je me fais défoncer par les piou-piou-piou, tous mes alliés décident de crever dans le robot. Ouais, mais tu fais que te plaindre. Mais vos gueules, je peux me plaindre, c'est mon jeu, non? Je fais ce que je veux. Non mais... Allez, en avant, les gars. Il faut surtout pas faire attendre le dieu d'or. Alors, attendez, d'abord, on va simplifier les choses. Voilà, on met du feu. Ensuite... Ce guerrier, il souffle un peu, Groot. Reculez. Pour les fumer. Non, il se réveille. On est mal. C'est moi, on arrive à peine à les rafler. Il est aussi vénérable qu'un posant. Nous sommes voir la matriarche. Si copain nous attend. Sois pas triste, continue d'en faire de la bouillie. Retiens-les, Groot. Faut trouver Warlock. S'il est bien derrière cette barrière magique, c'est là que nous devons porter notre attention. Attention! Les timbres l'ont bien mérité. Non. Tous ceux qui n'ont pas reçu d'invitation. Je voudrais pas léser qui que ce soit. Les tuiles, je crois que Camora a un truc. Peter Quill, la tueuse est en danger. Ouais bah elle a choisi de se battre contre le robot. Ah, ce robot géant commence à m'énerver. Peter Quill, lâche-moi sur ces imbéciles. Maintenant, Gamora, pas de problème. Voilà, plus de bras. Plus de chocolat. La bête mécanique est à court de membres. Je vois pas comment on peut le blesser. Bon, lui tire en dessus, mais enfin, ça fait des heures qu'on tape dessus. Le sorcier détruit de leur force. Pour les fumer. Ah non, pas des sorciers. On perd du temps. Explose tout, Rocket. Je me rappelle les fusils.
puits. Boum. On découpe, on charcute et on bute. Où est Warlock? Il devrait pas être ici. Si c'est des gardiens de prison, Tracker doit avoir rudement peur de lui. Hé, monsieur Amus, il est dans le pétrin. Ah merde, Brax! J'arrive pas à croire que je crois qu'il fallait pas chercher Paris qui est encore plus redoutable sans elle. Axelage! Je vais chaud regorge d'horreur! J'aurais jamais cru que tu te rencontrais! Bon, ça devrait être comme avec le cortex, pas vrai? Ouais, il faudrait déjà qu'on puisse y accéder. Je ne dirais pas non à un peu d'air! C'est pas vrai! Le chef est en train de recaquer ses potes! Faites attention! Groot! Ralentis-les! Voilà, plus de potes! Allez, c'est reparti! Je fais un verre après ça! Où est Warlock? Il devrait pas être ici! Si c'est des gardiens de prison, Tracker doit avoir rudement peur de lui! On va les débrancher! Un par un! Mon incroyable force est sous-exploitée! Pareil! Prenez garde! Regardez! Celui-là guérit les autres! Mais c'est pas juste! Rassemblement! Go go Power Ranger! Putain, j'adore ton style! Mes lames ont soif de sang! Les miennes aussi! Je veux foncer sur le champ de bataille et faire un carnage, Peter! Les pros l'a déjà prouvé des centaines de fois. Foncer comme des dingues ne fonctionnera pas. Oh, allez, les amis! C'est pas les premiers à nous défier et ce sera pas les derniers! On en a affronté des milliers avant eux, et ils ont tous retenu la leçon. Rien n'arrête les gardiens. Pourtant, je jurerais qu'on s'est arrêté là. Parce que... Qui est avec moi? Ce frère a... Mais putain! Maudite magie! Le sorcier soigne ses couverts! Vous l'éliminez! Un guerrier ne perd pas son temps à combattre des machines. Un guerrier combat tout ce qui est saine. Hey, on va démonter cette attaque. Du travail. Génial. L'usine géante des robots se bat. Tous les affronter en même temps serait exténuant. Besoin d'aide. Explosion! Bourrage de pif et dans la gueule! Alors maintenant! Ça c'est fait! J'ai l'impression que ça fait des heures que je tire sur ce robot! Il est aussi vénérable qu'imposant! Nous devons le briser! Hé, Fred! Gamoral, Chaos! Ne bouge pas! J'arrive! Maintenant qu'on a de la musique, c'est pas question de commencer à péter les plombs! Ça s'est jamais passé! Tout détruire! Ramène ton cul pour aider gros! S'il te plaît, rougez ta tête! Ah, d'un tour, Rocket! J'arrive pas à croire que mon épée tranche toujours! Paris qui est encore plus redoutable sans elle! Pas question de te laisser là comme une bûche! Ouais, là, le feuillage brillant! Allez, c'est reparti là! Allez, Drax! Attaque-le, gros! Je vais le voir! Allez, venge-toi! Route.
C'est là qu'ils fabriquent les robots. Tous les attaquer en même temps, ça reste extrêmement. En libérant le super-héros. Un guerrier ne perd pas son droit à combattre des machines. T'inquiète pas. Allez, amenez-vous tous. Voyez où l'autre con. Ah bah le voilà. Warlock, bougez pas. J'appelle un taxi pour rejoindre Boucle d'Or. Accrochez bien vos ceintures. Oups, il y en a pas. Ça. Grand unificateur. Baissez-vous. Tu viens enfin confronter le captif, le titiller. Pour être tombé aussi, mais là on sourdine pour une fois. Caroline de Mire. Non, on peut pas risquer de déclencher un combat ici. Débarque à l'aube de notre ascension. Et pourquoi? Tout nous prendre à nouveau? Quoi? Que t'ai-je jamais pris? Ma foi! Et pas seulement la mienne! Tu as abandonné tes fidèles! L'église même que tu m'avais aidé à créer! Tu nous as laissé croire que notre Dieu était mort, et avec lui, tout espoir de retrouver nos êtres chers! Je croyais que... Tu m'avais promis, mon fils! Je t'ai promis un partenariat. Tu cherchais l'assujettissement. J'ai commis de nombreuses fautes, mais ta folie n'en fait pas partie! Assez! Assez! Le véritable conduit divin attend. Tu n'es qu'une coquille vide, une ombre effacée. Mais toi aussi, tu sentiras. Entends-moi. Cesse ce carnage. Racker. Bon, bon, au moins on a retrouvé Racker. Par contre, c'est quand même sympa de ces robots d'avoir fait le tour le temps qu'ils partent. Gardien, brisez mes entraves. Racker prépare son rituel de restauration en ce moment même. Rocket, tu peux le libérer? S'il le faut. Laisse-moi deviner, les pouvoirs de Racker étaient plus pernicieux que prévu? Inutile de nous attarder sur les hypothèses du passé, fille de Thanos. Bientôt, la foi effrénée de Racker sera sur le point de sévir pour nourrir l'ennemi de l'intérieur. Ça n'arrivera jamais. On va empêcher ça tous ensemble. Pas vrai? En effet. Ok, en avant tout le monde. Venez, pas le temps de bailler aux corneilles. Oh. Je peux le raccrocher là-haut, hein. Ne tente pas. Si le Magus prend forme physique, sa soif insatiable consumera toute la création. À moins que tu l'aspires avant. Ce n'est pas si simple. Nous devons extraire l'entité qui s'est emparée de l'enfant. Mais qu'est-ce qui restera de Nikki? Si sa flamme brûle encore, elle erre sans but, dissoute dans un songe délaissé. Un songe plaisant. Au début. Exact. ZG. La volonté vacille. Bon, de toute façon, je vous dis à la prochaine sur Dark Otaku Gaming. J'attendais la fin du dialogue, mais j'ai loupé le truc, donc je vais faire revenir à la dernier point de contrôle. Je vous dis à la prochaine sur Dark Otaku Gaming. C'était Devil à plus. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un j'aime, à commenter cette vidéo et à la partager. A plus, bisous.